Katizamba mobimba pour que basa la cure dans ces moko na banza été ezali pas si mingi kotala makambu kotambola na kati République démocratique du Congo le loto koloba été mboka na biso ezali mboka ba congolais ezali mboka oyo ba congolais singeli baye ba ko osepela ko vanda na mboka na bango le loto kotala masolo ninge ko beta ma est-ce que coupe sa espoir to espérance na ba politique ba ko kamba mboka oyo ba mema mboka oyo bon port na banza été et ba situation ezali ba situation to ko développer na mokolo ya lelo parce que le loto lobi été to bomba kibolo to lo baka été bomba bomba mabe le loto ko bimisa parce que motema pe ezali ezali banque té motema eza sandugu té oyo ngeli to bomba to kubimisa parce que zali ba vérité eko concerné ba yi politique eko concerné pe bana mboka nyonso singeli ba yeba banani balingi bolamu ya mboka o pe banani balingi ko koya ya mboka oyo parce que ezali ba situation to komona na kati République démocratique du Congo lelo oyo évaluation sur l'état des sièges ko salema na palais du peuple et pa yapi mokonza mboka zali na ba crème nyonso et politique et même sociétal parce que to moni ba société civile et même ba structure d'appui à la démocratie et Zaliwana na banza été et tokozela s état de siège levé pour que toke na état de siège toke na état d'urgence toke na état de guerre tozo ba compromis nyonso na mokolo lelo s lelo yo na kati République démocratique du Congo faut-il continuer toujours ko vivre état de siège na partie est République démocratique du Congo ezali boko ya makambo toko vivre lelo na kati émission na biso lelo et pa yo pito ko tala pe et situation où est le cas mbongo ya francophonie et ki wapi est-ce que mboka na biso tozala ra toujours t'organiser loko mais finalité ya makambo ndeko maka problème mbongo ba biye francophonie bungi et gumona na te et ki wapi toko tala pe le lengi kani de l'autre côté cardinal Fridolin mbongo beleli balkanisation bo fongola misu balkanisation de jeza lida na nzela Ah, mboka na biso mwana mboka Linda Endundu mbote nayo mbote papa Olivier na banza ete lelo to kotala makambe ko leka na République démocratique du Congo ko bangisa ba kongole ba ko se poser ba question lelo yo na kati mboka na biso vie politique mboka oyo iko interpeller oni bon invité hein pona nini ba kongole bazo banga kaka sikoyo toza un problème depuis presque 25 ans 30 ans yo komiko banga kaka sikoyo olamuki kaka sikoyo eza un peu compliqué hein situation oyo tozo vivre eza situation moko ya kala ezwa katoko bima ba makambo wana parce que osoto komiko banga kaka na situation sikoyo wana déjà fallait to banga avant. Et ça, il fallait qu'on monte avant. On a vu qu'il y a 30 ans, on a déjà participé à la réunion concernant le problème à Rwanda. Hein? Concernant la balkanisation. Et ça, il y a cicaté. Et ça, il y a décidé qu'il y a depuis longtemps. Mais les Congolais, ça a l'union surtout que non. Et ça, les matés, c'est ici. Donc, la situation, il ne faut pas s'étonner. Aux hommes, on a France. Bazwa ki guerre na Allemagne deux fois Allemagne azwa ki ba mapang ou ba territoire ya France mais na si malheur France est gagné et zongeli bango eza na zeko sololana motomoko eza je pense Alsace Lorraine na place moko mosusu na France kuna balobaka allemand balobaka sokinini parce que justement ba allemand bazwa ki place wana mais lelo tuna bato wana ba zonga Allemagne balo bate biso toza ba français. Le problème est que les Congolais, ceux qui sont Congolais, azo se sentir Congolais, à cause de ça, surtout pour le Congo. Frontières échangées pendant un an, deux ans, trois ans. Ceux qui sont Congolais, au côté de la caca, c'est que Congolais. Ceux qui ont même changé de nationalité, na motema na yo, na vision na yo, na biloko oyo kosala, au côté de la caca, c'est que Congolais. Ata obotami na place mosusu, moni ewana ezanini. Eza denge nini ba parents ba boko la kabana. Eza pe ko yeba mibeko. Parce que ba misusu ba solo bake. Parce que o botami na Kinshasa, oza kinoa, oza congolais. O moni, sko bato wana ba zo banga po na nini. Oza besoin ya retoucher frontière, te po oza la na problème na ba étranger. Yo moko étranger, aye, a botami na Kinshasa, yo lobi ke parce que aza kinoa, donc aza congolais. O moni. Donc,
ngana zoka mo alors bato bazolo ba que oh non parce que ba bouger frontière wanande beaucoup biko bouger tu infiltration ça déjà wana depuis kala. Infiltration la armée, na katia ba institution, même na katia ba palais. Combien de ba mibali ba bala ba si ba ekolo mosusu et puis ba si wana au lieu ba boko la kabana na bango loko la ekolo ya papa na bango puisque parce que biso toza plus ba patriarcat que ba matriarcat. Ba na wana ba komi ko kanisa plus ekolo ya mama na bango que ekolo ya papa. Or, awa biso ba congolais, eza ba ne Congo ba sa kana matriarka. Vous allez comprendre. Donc, l'homme na zo yoka bato ba komiko, ba zo luka eloko moko, po na ko sala problème, po na ko loba ke o no, administration Tshisekedi, ezo sala mabe, me ba problème o toza nango ba, eza wana depuis kala, et puis frontière territoriale, les lobos ont crié pour la frontière territoriale, ou puis frontière mentale. Montomongo a tout dingai. Olobaka mongo, yo pe otuna kingai. Est-ce que olobaka kimongo? C'est pour nanini. Bah parents ngai, congolais, des pères et des mères, bah décider que bah yebi kimongo, bah yekoli singai te. Kimongo wana. Et ça peut biso bah congolais, tout change à kaba attitude na biso. Omoni. Toye ba mibeko. Mibeko elo baka nini. Omoni. Toye ba mibeko. Bosiko ba misusu bazo vote ba kongole ou ba yebi baza étranger. Ba misusu bazo kota na ba parti politique ya bato oyo baza ba étranger. Yo yebi ke étranger azali. O wana eza ko buka frontière te. Il y a plus de bouc à frontière. Mais totalement, nos situations que les Kanakas de la République démocratique du Congo, les tables rondes sur l'état de siège. État de siège, où il y a des prorogations. Basou, et Kabola qui quand Basou, c'est Balobi. Tout le monde l'état de siège parce qu'ils ont ça les locaux. Basou, c'est Balobi. Tout le monde l'état de siège parce qu'ils ont ça là quelque chose. Mais les lots sur côté côté là, par rapport à Makamoui Kotambola, état de siège. Évaluation sur l'état des sièges. Et est-ce que et quoi apporter au moins quand même moi quelque chose, tout quand même moi ma solution pour que la population ait ce qui mien. Bon, déjà, état de siège, batomingi depuis le début, balingi état de siège t. Alors, balingi état de siège t, ok, problème est athée. On gagne la coquine à le baïlo comme mon côté par rapport à ça. État de siège. Eza eloko moko eza na kati ya constitution na kati ya mibeko ezo permettre bato baza la protéger par l'état et koki eza la parti moko ya Congo et koki eza la parti mobimba ya Congo ngai po na ngai ndenge nazo vanda na Kinshasa. Et dès que na yoki makambo misusu na zomo na que état de siège est un problème té. État de siège est un problème té, mais aussi longtemps que ezana basusu oba koloba lelo état de siège singlé za lever. Oui, parce que état de siège ça est lokomoko ya permanenté. État de siège ça est lokomoko ya loko la urgence. État de siège ça qui ezana kati ya constitution lor zomo na que et lokomoko qui ne va pas sur une partie de territoire, ont décidé que l'armée est commis à la gestionnaire, il y a territoire ou un. Mais ça, il est comme quoi important. Il fallait que l'État n'abisse et ça là, il est comme au quitter Ozala, agresser, infiltrer, naba militaire, naba rebelle, puis au tindi armée na yoté. Et puis armée wana ata otindi bango ba comme ba ke et puis bazo gérer makambo lokola omoni au kotisi je sais pas ka moi et loko moko na kati ya corps na yoto ozu médicaments mais médicaments wana na sima et ke mais état de siège ça lokola aux huit cerveaux aux huit contrôles ya cerveau siko ezo contrôler corps mutu na yo siko ezo contrôler corps. Mon isoki armé a komi ko gérer nyo surtout na place moko. Azo gérer administration, azo gérer ba finance, azo gérer ba infrastructure,
azo gérer nion surtout fiscalité bah école ordre et tout ça c'est plus facile pour na armée congolaise et agir efficacement na terrain mon ko wapi azo contrôler nion so mais sur yo ok en tant que armée na place mon ko et puis armée zo contrôler administration t et ça le ko là osa mon payana katia parti wana parce que bazaka déjà infiltré babu ezaka déjà mingi au sein de ma place mon soussou ba rebelle ba zo zo ba taxe ba rebelle ba zo zo ba douane ba rebelle ba zo ko développer ba école ba rebelle ba zo donc il fallait que l'état ait territoire na territoire na territoire hein et zui territoire et zui contrôle maintenant réunion wana eza pour na ko évaluer hein ce qui armé dengue bazwa qui administration ya territoire wana ce qui armé et sali bien ce qui sali bien te donc c'est là comment ko ya malamu ko évaluer côté positif na côté négatif mais ngai na zomo na quand même tout zomo na que armé est commis renforcé na katia na est hein? Je crois il y a 200 na les cas qui est pas na journalisme quoi ya bisa kingai on pona nini j'ai dit mais état de siège j'ai bien bah tongi si bah route ah oui mais pona nini bah est-ce que dans la guimissue est-ce que dans la guimissue état de siège est autant route oui parce que soit tongi si bah route bah tank et que les canaba route c'est plus facile pour la tank militaire leur au banda armée c'est-à-dire état de siège permet d'un bah militaire qu'on organise territorialement parti à est pona ce qui guerre et bandit c'est plus facile pona logistique pona nini et permettre l'armée bas à la plus de connaissances ya est et permettre l'armée bas à bas démanteler bas rebelles tout le monde a que depuis que tout le monde va congolais bas kaka bas armes bas kaka bas balles bas contrebandiers bas nini c'était beaucoup plus facile à partir du moment où c'est l'armée qui contrôle ce territoire là pour découvrir les traîtres découvrir bah, donc oui ça veut dire au coquille au loba que rôle armé zaka kaboué na katia armé bas département et sa mingi ba oyo ba salaka na mai ba oyo ba salaka les comment on appelle ceux qui sont des forces aériennes les forces aériennes ba oyo ba salaka terrestre ba oyo ba salaka administratif et na kanya makasese vous avez les métiers dans l'armée au moni donc il fallait que on puisse laisser l'armée dans tous ces départements prendre possession il y a des territoires wana parce que bah infiltré bah rebelle bah ennemi na biso bah kota ki na ba administration nyo surtout donc il fallait que armée et kota pe na armée na ba administration nyo surtout or armée est en possibilité ya kosa la dengue wana te sans état de siège donc c'était par l'état de siège qu'on pouvait faire infiltrer dans les douanes dans les institutions de la République qui sont sur le territoire attaqué notre armée afin que Atala vraiment où est ennemi où est comment Atta ordre mais les autres côté là état de siège et table ronde où est sur l'évaluation état de siège est-ce les loyo nous pouvons dire que état de siège ils allaient lever ou soit on peut toujours continuer à espérer dans état de siège bon logique est que à un moment tu as état de guerre na éviter sur bako décider balongo la état de siège et puis bakotana état de guerre ou bien balongo la état de siège et puis basala eloko mosusu na yebite dengeni basoko s'organiser na zape experte kuna na katite ba témoignage pe ekoya ya na moni ba député ba sénateur peut-être ba témoignage ba société civile et tout ça ba loba côté positif ya état de siège na côté négatif ya état de siège. Il faut quand même savoir que Tozana ministre de la Défense Yassika. OK? Donc il a décidé que non na gouvernement basse à l'évaluation même avant les élections, c'est quand même bien que Toyeba mais surtout aussi Toyoka ba makambo parce que na mona ki ba proposition na ba réseaux sociaux.
Et justement, on a la frontière, on a que Ougandais, bazo chipoté na frontière, bah Angolais, bazo chipoté na frontière, bah Rwandais, pe bazo le Bama Kabuya. On vient de perdre, on vient de perdre encore une partie na côté à RDC Ouganda. Oyo, écoute, il y a beaucoup de bateau, balingi qui n'est pas gâté. Oui, le problème aussi, c'est que bon, il y a les infos intox. Hein. Donc, gai, c'est ce qu'on dit, on vient de perdre et tout et tout. Concrètement, qu'est-ce qui dit clairement qu'on vient de perdre, hein? Il y a un confrère de l'autre côté où il y a une même vidéo à la Kisibiso, l'oulingi kani makambo kotambola na frontière et à RDC na Ouganda. Moi, quelques parties autour tu peux perdre encore na mikolo. Donc nouveau ministre de la Défense, Assali Bien, na gouvernement, na président de la République, que va décider d'avoir une évaluation à état de siège. Parce que Bato Mingi O Bazala qui, avant, Tozoa qui, bah, rapport Penzate. Donc, je crois que c'est pour avoir une réévaluation, comment on a efficacité Nango, Koyoka, bah, rapport. Il y a un militaire, puis un rapport sur les militaires, sur qu'est-ce qui a été fait, est-ce que ça a été bien fait. Pour Nangaï, de toute façon, après état de siège, ce qui Rwanda est continué boué, ce qui Ouganda est continué boué, Tokokota na guerre, on sera dans un état de guerre. État d'urgence, ou, et puis après état de guerre, je ne sais pas, dingue, bah, ça la kaba procédure, est-ce que. Mais en tout cas, on va escalader, je ne pense pas qu'on va désescalader. On va désescalader, mais on va et toujours, parce que Ezali et Moko, il y a un souci où les populations est la République démocratique du Congo, Zali Nayango, retrouver la paix et rien que la paix. Mais retrouver la paix n'a sens ni aussi longtemps. Le cardinal Fridolin Mbongo a crié sur la balkanisation où Ezali déjà. Et il y a déjà. Et il y a le Kolazali, la mission na été Nangambokuna, à Salaki, déclaration pendant Omeli Naye, à l'oubliété, sous la balkanisation Ezali. Oui, mais balkanisation, en gros, je n'ai jamais dit que le cardinal a dit quelque chose contre le Rwanda. Je ne me rappelle pas qu'il avait dit quelque chose contre le Rwanda. Ah, donc Fridolin Mbongo travaille contre la RDC pour un profit à Rwanda, alors. Je pense que le cardinal surfe sur la surfe sur l'actualité parce qu'à Zoluka Kaka et Lokomoko pour assalir l'administration Tshisekedi. Hein? Donc à Zuisiko, au Kombowana, balkanisation, mais ça fait 30 ans qu'il y a les projets de balkanisation. Pendant 30 ans, Zaki Olobate, ce n'est pas les lots, surtout qui au lobby, qui est non balkanisation. Peut-être parce qu'il a palpé du doigt, parce qu'il est actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il a palpé du doigt, mais c'est on est en train de construire. À lobby, Ango a monté un créneau pour Kalo. Vous voyez combien de prêtres Baboman à Est? Vous voyez combien de prêtres Baboman à Est depuis 30 ans? Il y a des prêtres qui ont été prêtres, des chefs coutumiers, il y a des prêtres qui ont été rapportés. Écoutez, ils ont été les locaux qui ont été au lobby que non balkanisation. Il y a des églises partout, il y a des rapports partout. Il y a des rapports. Puisque Bango, maintenant, je pense, les catholiques ont commis 45% de la population, mais avant c'était plus, c'était 70% sur 30 ans, 80% même sur 30 ans. Aye ba kite ba chef coutumier wana bazaki ba catholique te ah ba prêtre wana bazaki oboma ba bato ya société civile bazaki oboma dengue déjà depuis longtemps il y avait des gens qui étaient en train de dire que balkanisation mais lelo a zui actualité wana parce que to yebi papa cardinal nabiso alinga kakozo ba actualité a surfaka na ba actualité wana ah po il faut kaka azala devant les caméras, il faut kaka à la kisake administration Tshiseke des Amabe et tout ça. Mais bah, projet à balkanisation, c'était depuis longtemps déjà au moni administration Clinton, il y a États-Unis. Okay? Le premier projet de balkanisation, c'était Bazoa parti à RDC pour Basala, Hutu Land na Tutsi Land. C'était le premier projet parce qu'il disait que non, Hutu na Batutsi, Zoyo Kanate, Denge Basalaka, toujours génocide depuis 200, 300 ans, Bami Bomanaka, alors il faut créer Tutsi Landa Hutu Land. Mais comme territoire est mouké pour Nabango, et puis Basala Burundi na Rwanda, alors Barozo parti Moko ya Congo pour créer
bato ya ba utu ba kota na parti ya territoire bato ya ba tuti ba kota na comme ça ba robomana te meto yebi que projet wana ezana tina te puisque Kagame azo boma ba tuti hein kizito chanteur moko ya chorale chrétien azaki rescapé ya ba génocide ba boma ki ba fi o ba mama o ba se présenter candidate présidente ache ba ngona boloko pour ba se présenter te contrayé Batomisus Basunga qui est à leur Azaki na Uganda, Azaki au permettre na Museveni à comme président. Balandi ti na Rwanda pour na kosu qui sa génocide ango et puis siko ba se présenter na congrès. Ba obi que non Kagame depuis telle date à Lukaka biso à Linga assassiné biso pourtant tout Sunga qui est bazaba tutsi. Donc on dit que projet wana est changé. Deuxième proposition, il y a balkanisation. Et Zala qui s'y koyo, Kagame na projet na ye ya ima tutsi. Hein? Donc, alobi que non, ba tutsi nyon surtout o ba panzana ki na ba pays moussousou. Parce que, denge ba sara na ba génocide na ba mou. Chaque fois ba sara génocide, allez, moko, hein? Ba groupe moko e kimikuna. Moussousou e kimikuna. Siko ba komi na 4 ou 5 pays. Hein? Wapi baza. Mais dengue baza na projet moko ba lobby que à un moment baza ki hégémonique baza ki empire imatutsi bazo soa ba même ba sénégalais misusu bazo soa bazo lo ba toza bato moko hein et puis bazo décrire en gros na ba morphologie banini donc ba lobby ton ça là empire imatutsi wana normalement il faut za bato ya Sénégal ti même parti ya Congo ti yangwana bazo sala ba accord na ba 9 pays limitrophes hein ti ezo matati ba éthiopien kenyan et tout ça bazo ba non ba tumoko ah baza empire imatutsi ça c'est la deuxième version ya balkanisation mais tozo mona nouveau type de balkanisation que ba pays mosus ba tenta ki déjà ko sala chacun des 9 pays limitrophes baza na ba limite ya exploitation hein ya ba richesse et chacun ya ba pays limitrophe na biso baza na ba colon différent au moni dengue Léopold II asalaki Congo belge Congo indépendant hein c'est le CEI hein c'était EIC dengue asalaki EIC asalaki kopna ba pays wana nyo surtout que bino brulia kaka na likolo ya ngai ndenge na zui Congo omoni mais depuis que Léopold II a koufinaye ba pesi ba belge depuis que ba contentieuse ay roi Mobutu ayaki donc petit à petit ba accord wana e komi ko bukana tina mze a lobaki ke te na ngai na opesa elo komo kote na communauté internationale oh tozo benga communauté internationale aujourd'hui bazala ki na conférence à Berlin ba lobaki na Léopold II que toko pesa yo lopang wana yo zo benga ici olingi ezala ya yo hein zoka ndeza ki ancêtre ya Congo hein Tropé ça yo mais biso il faut tous ala na intérêt moni mais plus to komi ko grandir to komi état indépendant plus ba moni que to zo ka lisu sur le côté ya Congo donc ba moni que c'est mieux ba zo ka ba morceau donc Congo Brazza et Zui Mouké ceux qui Congo Brazza et Zui Mouké France et Zui ceux qui Centrafrique et Zui Mouké France et Zui. Ceux qui Soudan et Zui Mouké wana za Angleterre et Zui ceux qui za c'est quoi encore le Soudan, Ouganda et Zimouké, c'est Angleterre et coprofité. Ce qui Angola et Zimouké, wana au monde a peut-être pays le rôle à Portugal. Chaque pays wana baza na ba problème de plus en plus na ba économie na bango. Pe dengue Congo est compliqué ko ça la ba deal na Congo, a vu que non, to buka Congo comme ça to coprofiter. Au monde. Donc c'est ça le problème de la balkanisation, les deux sont là. Hein? Alors, soit j'ai ya Rwanda imatutsi, soit on profite que chaque pays et ça là oyelingé ça là ezwa ka moi oyoyé. Et ça peut problème ya ba multinationale, c'est même plus problème ya état. Et ça ba multinationale ba komiko utiliser parce que qu'est-ce que Léopold II Asalaki a créé qui les premières multinationales na katia ya Congo. Au monde que toutes les sociétés qu'il a créées, c'était en collaboration na ba état différent.
na de ba consortium différent donc ba multinationale ba yé ko sou ki sa ba contrat wana ba multinationale ba yé ko sou sa contrat wana je pense que toko koma est presque déjà na souka mais toko tala sujet oyo lelo oyo to sali prouesse awa RDC République démocratique du Congo pour la toute première fois organisation un 9e jeu de la francophonie lancement super et déroulement à Bagé superbe. Conclusion à Bagé, très bien, mais les lots, tout ça après le jeu de la francophonie. Dossier na mesa. Bon à billet. Oyonion suis à la qui, na katia jeu de la francophonie, porté disparu. Même pas un franc. Est-ce les lots na katia mboka na biso, les Congolais, est-ce vraiment nous sommes sérieux? Bon, d'abord, on a souligné que lors de manifestation, il y a des personnes avec handicap. Hein? En tout cas, parce que vers pain victoire, hein? Je dis, mais ça, manifestation, nini et tout ça. Normalement, les jeux de la francophonie, après, ils ont les handicaps. Ils ont les jeux, donc bah, infrastructure on a ça disponible pour les handicapés. Il me semble que pour Kinshasa, on dit que les jeux pour les handicapés et ça l'est. Mais étrangement, RTNC, la chaîne nationale, TV5, et autres, solo la Macambouana, tout le monde a filmé, ça aurait été quand même bien d'être inclusif. Hein? Donc de faire des jeux inclusifs et de ne pas dire que non, jeux de la francophonie et Sili, alors que tout le monde a la population, a biso au bazar la handicap, et que normalement, il y avait ces jeux aussi pour les personnes handicapées qui soient... Mais j'ai comme ça, d'abord, tout le monde a dossier à la francophonie, jusqu'à présent, mon soleil, comme on en a été. Mais tout le monde a handicapé, tout le monde a c'est les mêmes jeux. Et il faut arrêter de mettre toujours à part les personnes avec handicap. C'est les mêmes jeux. Ce n'est pas juste que Bissot, Tozalawana, to soutenir l'équipe OESA, si on peut dire bien portante. Et puis, l'équipe OESA a besoin, il y a plus de soutien, Tozo négligé. Maintenant, Makambongo, Nazo répétait toujours, Monsieur Kwanja, Aza Motomoko, il y a diaspora, Oba Benga, Poya Kosala. Aza Motomoko, Avanda Awate. Bissot, il y a très bien que Awa, Sokolingi, Koiba, Ezalate, Naba Somiaboye, au conclure, accord Naba Banque. Ba banque ba ye ba chip guichet na bango leur bato bazo kota na stade na fête na sokini ni kermesse ozo sala ezan de banque azawana azo koti sambong donc la faute ezala ki wana déjà yoko pesa ba oui parce que l'individu pour que ba récupérer ba denga yebi terrante denga yebi congolete ya yebi ba congolais ya diaspora ya yebi bizaleli ya ba organisation et internationale. Ayebite rente, ayebite dengi nini sale maka. Et puis, awa, problème est nini. Est-ce que zaki batoya francophonie de bazaki ba guichete ou bien zaki batoya ministère ya sport? Toyebite. Au moins, il manque ya communication. Au moins, il manque ya koyoka bato. Oh, toro salaboy. Ngae ez nazoka moate. Nga nazoka moate. Eza loko la polémique ya communication. Donc, ce qui ozo sa makambona yo na dengi na yo, c'est bien. A sa li yango na dengi a lopoto, ale ba calendrier za bien, ba organisation za bien. Est-ce la faute aujourd'hui, bon, disons, toko tanoun pe intérêt à bande konan, ils ont travaillé, parce que jusqu'à présent, ba personnel ou anan yo soupe ba zanon paye te. Oui, wana isa, ngana zo loba. Makambwana ezalaka toujours na République démocratique du Congo. Mais ce qui yo au vandeli ango lokola aux ganisi aux amundele aux régler problème lokola mundele alors que yebi très bien que na Congo problème wana ezalaka. C'est ce qu'on appelle du risk management. OK? Faut ala na quel motomoko azo gérer ba risque. C'est pas seulement les risques médicaux yé ou même ba ambulance, c'est pas seulement les risques nanana. Tu dois avoir un professionnel du risque qui va penser à tous les risques qu'il y aura. Mais ce qui yo ozui moto o yazo kanisa na ba risque nyon sou touté. Alors que même na ba concert privé zalak. Yoza grande star organisé concert na yo après koyo kake o motomoko ya équipe a kenda ki ayiba kimbongo. Mais awa solution na Congo o bazwaka OK o sali accord na ba banque banque memeli yo guichetier bancaire
c'est le guichet bancaire qui vient dans l'établissement où tu organises ton histoire et ils encaissent les francs. Encore dans la période où on a tout ça qui n'a problème, il y a franté. Tout ça qui n'a problème, il y a change. Donc, Kwanja, en faisant ça, il allait kosunga l'État par rapport à la dépréciation du dollar. Omoni. Mais dengue azwa qui sûrement risque manager te, ba solola qui a ba risque, y a ba paiement te, c'est ça. Et c'est... Toza n'a pas équipe de lutte contre la corruption, lutte contre les détournements. Toza n'a pas équipe Boyet. Mais voilà. Nous, maintenant, parce paiement. Que... Est-ce qu'Azaki n'a responsable, il y a RH. Responsable, il y a RH, il y a Zanani. Il y a un type de bénévole, il y a une manifestation, parce que il y a un bon abangote. Mais il y a courant. Il y a courant. Il y a souka. Francophonie organisée, les lots, on peut dire que la fond de la francophonie coûte chapeau. Mm-hmm. Mais la forme de la francophonie, il y a à boire et à manger. Mm-hmm. Parce que les lots OEG à francophonie est silly déjà. Mm-hmm. Et qu'après, comme on a, ma personnel, les lots, on marche pour nous, jusque-là, on a un bon côté. Deuxièmement, mon solo, on a ce côté qui n'a déjà francophonie, atteint un franc et comme on en a été. Et après, ce qui m'a commandé, c'est salami, et bimi est sonné au niveau de la communauté internationale. Est-ce que la République démocratique du Congo est vraiment pays où il y a une image qui est au vendre, et puis l'image en est à la détruite. Et quoi interpeller une situation? Je suis interpellé parce que. Souci il y a bas organismes internationaux locaux la francophonie et ça bango bazo qu'il balard na bango bazo ba contrat na bango bango ba futamaki na katia budget est-ce que ça souci na bango c'est la plupart des entreprises françaises balia kimbongo kuna na kati ah donc ceux qui ba futi ba tomi sous souté je pense pas qu'ils a problème na bango bango ba yebi ba réalité wana et puis ba yebi on a ba payé mon sous il faut tout cesser qu'on réagir en fonction de qu'est-ce que les gens vont dire. Il faut tout réagir en fonction de peuple nabiso, est-ce qu'ils vont se retrouver dans Makambo ou yotozo sala. Dengeni ni toko kito sala pour na peuple et se retrouver. C'est ça le plus important. Mais ceux qui ont comiko organisé et loko, ozo kanisa loko la mundele, yo yebite que non. Même les cinq chantiers, bato bazwa ki balar na dengue, il fallait bazwate. Yo toute la journée, il faut bafouta yo 25 000. Mais ba yebisi yo que non, signé awa. Et puis ba pesi yo kaka 2 000 francs. Est-ce que quand tu as ça qui bancarisation, est-ce qu'à Fungoli ça qui bah compte pour n'abat bénévole, hein? Moi j'avais vu pourtant que à Félicita qui IGF, ami Félicita qui paie à Félicita qui IGF parce que IGF est ça qui wana. Alors on a quand même maintenant que IGF est ça wana, mais bah détournement et ça l'émi, bah tout bah foutamité, on a quand même. Voilà, dans 30 secondes, message n'y a lancé la population congolaise, n'y a ou bazo qui libako kolanda, Madame Linda Ndoundolelo, dans 30 secondes, caméra na yango. Ah, nga ezaka rapona ba élection na oloba que non, botalaka, dingue batouba, bomoni batouba s'enregistrer, na ba différents niveaux ya ba élection. Et comme il temps, ya kota la moto, oh ya sala kani ni na vie privée na ye. Est-ce qu'a fouta kabatou? Est-ce qu'a organisé kapenza biloko? Est-ce qu'a tena kaba promesse naye? Est-ce que aya kaka kwa ko sa la ba promesse et puis alors après ba élection ozo mona yete? Ah bato ana bo votaka bangote, c'est tout ce que moi je peux dire. Na banza yete matondo mingi mais tokomi na suka et je vais interpeller na travers caméra oyo lancer un message à deux personnalités. La première Ezali Christian Bosembe, président, il y a ses sacs. Deuxième, Ezali et pas Jean-Marie Kassamba, président, il y a UNPC. Aujourd'hui, s'il y a un métier, les gens commencent à bafouer, à piétiner, Ezali métier, il y a un journaliste. Alors nous, les journalistes, Tolingi té qu'on subir encore. Ma bêtise ou école régnée na katia métier na biso. Musicien, ex-musicien ya quartier latin Koffi Olomide.
Gibson. Vous avez 48 heures pour que Ozonga na TV au présenter l'excuse na yo. Au cas contraire, nous allons saisir Christian Bosembe. Nous allons saisir et ensemble avec Jean-Marie Kassamba, président de UNPC, on va te traduire en justice. Pour nous propos na yo tenir na plateau ya Willy Kayembe na Digital Congo. Et Kouloutou Willy Kayembe, étant journaliste et chroniqueur, tu ne pouvais pas permettre à Gibson à tenir ma propos wana contre un journaliste au hasard stage pendant l'émission. Et Kouloutou Yopo Zali fautif. Ozali message lancé. Gibson, Ozali na 48 heures. Ok, au quota, et pas à Willy Kayembe, ou dans n'importe quel média, au présenter ma excuse, na yo, au cas contraire, on te traduit en justice. Nabanza yete, mon amboka, tu coûtes un numéro moussous, et merci beaucoup, naba fidèle téléspectateur, nous sommes sur Congo Live Télévision, tu coûtes un numéro moussous, ou tika malon, naba bota nabino. Musique.